Émulation que vous venez d'organiser aujourd'hui. Bon, comme dans le cadre de l'enseignement, il y a toujours cette façon d'agrémenter les enfants à la fin de chaque période. Et la première période scolaire qui concerne le premier trimestre, c'est celle que nous venons de sanctionner aujourd'hui par quelques pas de danse avec les enfants et l'émulation proprement dite, en remettant juste les livrets scolaires chez les enfants. Après les pas de danse, et un petit jus à chaque enfant. C'est de notre devoir d'aider ces enfants à s'émouvoir à tout moment et à se sentir toujours aimé, parce que l'école a aussi ce côté d'amour auquel l'enfant doit se sentir aimé pour un bon apprentissage. Donc nous, cette émulation était prévue. Et nous n'avons pas voulu nous séparer avec les enfants à l'orée de ces fêtes de Noël sans les amener à une joie telle que vous l'avez constaté aujourd'hui. Et vu le retard avec lequel vous avez commencé, la communauté éducative a commencé l'année scolaire 2021, est-ce que avez-vous pu quand même terminer avec les programmes scolaires du premier trimestre? Nous avons pris les dispositions nécessaires à ce sujet. Et nous avons suivi notre programme comme il le fallait. Entre-temps, au début, il fallait d'abord faire quelques rattrapages de l'année antérieure. Il fallait amener les enfants à se reconstituer parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps, plus d'une pratiquement toute une année à la maison. Et cela ne nous a pas vraiment bloqués. Nous avons amené nos enfants à suivre tout le programme. Et les trois répartitions de cette année ont été suivies ici aux Écluses. Nous avons vraiment pris soin des notions essentielles, des notions qui pouvaient permettre aux enfants d'affronter les épreuves, plus les épreuves écrites des évaluations, puisque l'évaluation n'était pas prévue par nous, elle est prévue par la DEDEPSA, en transitant par l'IEPA. Et nous n'avons eu aucun problème là-dessus. Nos enfants ont évolué sans problème, ils ont passé leurs évaluations sans problème et nous sommes satisfaits parce que le taux d'admission nous rassure. Okay.
que je reviens.